Donc aujourd'hui, ce sera un unbox with me. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant le Black Friday et pendant le Cyber Monday. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, on reste connecté. La qualité du tissu. Oh mon Dieu, la douceur, la douceur. Elle est trop belle. Je recommande. Si vous connaissez Karen Miller. Oh, mais c'est la... $4.99 la pièce. On reste connecté jusqu'à la fin pour la suite de la vidéo. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that... Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de unboxing. Alors si vous me suivez sur YouTube, vous avez dû voir dans mes deux dernières vidéos, dans ma dernière vidéo où je montrais comment j'avais beaucoup de cartons déposés un peu partout dans mon salon, ok? Alors aujourd'hui, ça sera un unbox with me. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant le Black Friday et pendant le Cyber Monday. Tous les deals que j'ai pu prendre pendant cette période de soldes énorme en Angleterre. Franchement, il y avait beaucoup de soldes. Et je suis très contente parce que tous les produits que j'ai achetés sont des choses dont j'avais besoin. Ce sont des choses que j'avais sur ma liste d'achat. Et je les ai eues à des très bons prix. Bien sûr, il y a aussi des trucs que j'ai achetés qui sont plus pour mon business. Donc, ce sont plus des business expenses. Pas des personal expenses, voilà, mais je vais toujours quand même vous montrer. J'ai acheté des trucs pour moi, pour la maison, pour les enfants. Mon mari aussi a fait ses courses, mais bien sûr, ça ne sera pas dans ce unboxing-là. Il a fait ses courses, il a déjà rangé dans son armoire. En quoi est-ce que ça le concerne, mes histoires de unboxing? Donc franchement, je suis très content parce que j'ai fait vraiment beaucoup de deals. C'est vrai que en général, j'ai dépensé, mais... ça vaut la peine parce que ce sont des choses dont j'avais besoin à la maison. Ce sont des choses que j'observais depuis un bon bout, voilà. Donc, ce n'est pas juste instant buying. Donc, ce n'est pas juste parce qu'il y a des stores que je vais acheter, non. Ce sont des choses dont j'avais besoin. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on reste connecté jusqu'à la fin. On n'oublie pas de me donner un thumbs up. On reste connecté jusqu'à la fin pour la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on va faire un unboxing. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pendant le Black Friday, le Cyber Monday et les cadeaux de Noël. Bon, je ne suis pas très sûre que je vais montrer les cadeaux de Noël ici au cas où mes enfants verront. Mais bon, là, j'ai tous les deals que j'ai acheté pendant le Black Friday, pendant le Cyber Monday. Donc, je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, on va faire un unboxing with me. Comme vous pouvez le constater, on a beaucoup. Alors, on a ce paquet là, je crois, qui vient de chez Shein. On a celui-ci qui vient de chez Very. On a celui-ci qui vient de chez Debenhams. On a beaucoup de passes là qui viennent de chez Debenhams. On a un paquet qui vient de chez Stradivarius. On a un paquet qui vient de chez Asus. On a beaucoup de paquets là. On a ce gros paquet là. Gros paquet là qui vient de ce Shark. Voilà. Donc, on va faire un unbox with me. Ok, je vais m'installer. I'm going to put myself comfortable and we're going to do this together. Alors, all right. Voilà. Donc, on a fini de faire notre petit setup. Maintenant, on va commencer avec notre unboxing. J'ai essayé de mettre les choses un peu partout. Là, j'ai ma table, j'ai déposé beaucoup de choses. Là, j'ai la chaise, j'ai déposé beaucoup de choses. J'ai fait l'effort aujourd'hui, j'ai même setup la lumière. Et je filme avec ma caméra. Donc, pour vous dire que Tati a fait les efforts. Donc, quand Tati fait les efforts comme ça, vous aussi faites des efforts de me donner des likes. Ça vous coûte quoi? Laissez des likes, mettez des commentaires. Ok, ça motive, ça t'encourage. Tu te dis, ok, les gens ont aimé, les gens ont aimé, les gens n'ont pas aimé. En fait, it's a form of feedback. Voilà.
j'ai parlé en anglais. Vous savez qu'ici, là, on parle l'anglais et le français. Ok, voilà. Donc maintenant, on va commencer avec le unboxing. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais commencer par Shein parce que c'est le magasin que probablement tout le monde connaît ici sur le net. Ok, Debenham, c'est un magasin anglais. Il faut être en Angleterre pour connaître. Donc, je vais commencer par Shein. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Parce que là, il est 11h. Là, il est 11h et j'ai rendez-vous à 13h30. On doit faire vite. Donc là, c'est le paquet de ces Shein. Vous voyez là? On a les effets de Shein là. On peut même trouver ça là. Alors, à Shein, j'ai acheté essentiellement les choses pour les enfants, pour mes filles. Moi, je crois que j'ai pris juste deux accessoires. Donc, j'ai pris cette longue robe là, marron, très très belle. Pour ma fille de 13 ans, pour ma première fille, Danielle. Ça vient avec une fente. J'essaierai de mettre une photo quelque part ici pour un peu vous montrer à quoi ça ressemble. C'est comme ça. J'aime beaucoup la couleur en fait. Quand j'imagine ça, ça va être génial. C'est courte manche, ok. Très très belle robe. Ça vient comme ça avec une fente derrière. Donc là, c'est pour Daniel. Je ne me rappelle plus trop ce que j'ai acheté. Franchement, le paquet a pris trop de temps avant d'arriver en Angleterre. Donc franchement, c'était un peu... Alors j'ai pris cette jupe là, marron aussi. Elle est comme ça. Vous voyez un peu le matériel. C'est ce type de matériel là. Ok, c'est beau. C'est cosy. Alors la jupe c'est pour moi. La jupe c'est pour moi. Je l'aime beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup le marron. Après le vert, ma couleur préférée. Après le vert c'est du marron. Le tissu est vraiment très très cosy. Ce sera essentiellement pour rester à la maison. Ok? Voilà. Ça, je me rappelle. Je crois que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai commandé chez Shein. Parce que j'avais besoin de ce type de ceinture-là. Je mettrai la photo quand je vais éditer. Vous voyez le genre de ceinture? Un peu genre asiatique. Alors, j'avais besoin du marron et du noir. À la base, j'ai acheté parce que j'ai un mariage. Et je vais porter un jumpsuit. Donc j'avais besoin de ça pour accessoriser ma tenue. Malheureusement le courrier a pris tellement de temps que c'est arrivé. Et puis je suis déjà allée au mariage quand j'ai porté une autre ceinture. Mais c'est pas grave, je vais utiliser ça un autre jour. Je crois que j'ai pris le marron et le noir. Franchement la qualité n'est pas mal hein. C'est vraiment pas mal. Je crois que j'ai pris le noir aussi. Je vais acheter le noir comme ça. La même chose, donc j'ai pris du marron, j'ai pris du noir. Je crois que c'est les deux couleurs que j'ai prises. Ce sont de très belles ceintures vraiment pour accessoriser vos habits. Ça apporte un petit peps. Voilà. Oh, ok. Des headbands. J'espère que ça fonctionne comme ça. J'ai pris des headbands comme ça. Un, c'est pour ma fille. C'est pour mes deux premières filles. Un, c'est pour Gabriel. Je vois bien celui-ci, c'est pour Gabriel et celui-ci, c'est pour Daniel. On va regarder la caméra. Voilà. Donc, c'est pour prendre du Honey Spoon. J'ai pris des accessoires. Parce que franchement, s'il y a un truc que j'aime beaucoup à Shein, ce sont les accessoires. Les boucles notamment. Donc, j'ai pris des boucles comme ça. Je vais ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Très, très, très belle. Vous savez que j'adore le noir. Franchement, trop beau. Voilà. Aussi. C'est avec deux boules là à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Très, très, très beau. Voilà. Enfin, j'ai pris des bottes d'hiver. Imitation Uggs, parce que ma fille, parmi ses Christmas presents, c'était des Uggs. Malheureusement, je suis allée regarder le prix des Uggs, même avec les sortes. La plus moins chère était à 179 livres et c'était même pas ce qu'elle voulait. C'était pas la fluffy one, la montante là. J'ai dit non, mais je veux pas dépenser. La montante l'a coûté dans les 259. Je vais pas. Donc la montante l'a coûté dans les 259 livres en sortes.
Je me suis dit non, je ne vais pas dépenser 259 livres pour une tennis, une botte d'hiver pour un enfant de 9 ans. Donc je suis allée chez Shein et j'ai acheté des dupes. Voilà, pour cela, voilà, j'ai pris des dupes comme ça. C'est... Oh my god, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh mon dieu. Franchement. Oh. Alors là. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Shein. Mais elle va être trop contente, ma fille. Parce qu'en fait, quand elle m'a dit qu'elle voulait des Uggs, ma fille Renée a dit, tu veux la marque Uggs, parce qu'elle sait que ça coûte trop cher. Elle m'a dit, non, maman, pas forcément la marque Uggs, mais je veux des boots comme les Uggs. Et je veux ceux qui sont au-dessus, ça, des trucs comme ça, là, la fourrure au-dessus. J'ai dit, ok. Je voulais à la base acheter des Uggs, mais quand j'ai vu les prix, j'ai dit, non, je vais aller regarder la Shein. Regardez-moi ça. C'est une tuerie. Mais c'est une tuerie, ça. C'est magnifique. Alors, je vais essayer de mettre des liens de tous ces produits que j'ai achetés sur la barre info si je parviens. Si je parviens pas, si je ne le fais pas ou si j'oublie, envoyez-moi un commentaire. Je vais répondre. Ça, c'est pour Gabriel. Et j'ai aussi profité pour prendre pour Daniel. C'est vrai qu'elle n'a pas demandé, mais j'ai trouvé aussi ça très beau. Et vu que Daniel et moi, on a la même taille, je crois qu'on pourra porter ça à deux. C'est trop belle. Elle est trop belle. Mais franchement, Shein. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Admirez la beauté de la botte. C'est trop beau. Trop beau. Regardez-moi ça. Regardez l'intérieur aussi. L'intérieur est bien cosy. C'est magnifique. Ça aussi, c'est un cadeau de Noël. Bon, je sais qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Hein. C'est tout ce qu'on a acheté à Shein. Voilà. Ok. Maintenant, on va passer à ce que j'ai pris à Debenhams. On va commencer par Salivarus. Donc, j'ai déjà ouvert, j'ai enlevé le carton pour me faciliter la tâche. Donc, j'ai fait aussi des courses à Stradivarius. J'ai de la peine à prononcer ce nom. À la base, en fait, c'est la petite sœur de Zara, je pense. Mais je crois que c'est la petite sœur de Zara. Ou c'est, tout ça fait partie de Zara, en fait. J'avoue, ce que j'ai acheté là-bas, c'était pas en solde. C'était juste une botte. J'avais besoin d'une botte noire. Confortable parce que j'ai déjà une botte noire que j'avais pris à Dune il y a très longtemps quand j'étais étudiante, mais les talons sont un peu hauts. Ça, c'est vraiment le genre de botte quand tu veux être un peu genre un peu sexy, tu sais que tu vas beaucoup marcher, voilà le style quoi. Mais je voulais une botte noire aussi, toujours un peu sexy, mais avec un talon assez compensé, facile à porter, que je peux porter toute la journée, je peux marcher sans avoir de stress. J'ai regardé, il y a une influenceuse que je suis aussi sur YouTube. Elle avait porté une botte, j'ai beaucoup aimé. Elle a mis le lien, je suis allée, j'ai pris ma part. Donc, c'est une botte, je vais vous montrer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà la botte. Elle est trop belle. J'adore le talon comme ça. J'adore le bout carré. Ça fait vraiment genre corporate. Ça fait genre bad bitch. Vous voyez? Voilà la botte, elle est très belle. Noire, c'est du bon. La qualité du cuir, elle est vraiment de bonne qualité. Regardez-moi le talon aussi. Vous voyez le type de talon. Alors, cette botte, elle est confortable. Vous pouvez la porter partout sans être fatigué. Ce ne sont pas des talons à aiguilles. Je crois que j'ai déjà eu à porter ça. Si j'ai déjà eu à porter ça pendant que j'ai dit de la vidéo, je mettrai la photo quelque part. La botte, elle est trop belle. Je recommande. Le prix aussi est affordable. Le prix est bon pour la qualité. Franchement, regardez-moi ça. Trop belle la botte. Trop belle. Ça, c'est un élémentaire dans la garde-robe de toute femme. On va regarder ce que j'ai pris à Debenhams. Il y a un truc que j'ai acheté là qui était pour Daniel. Je ne vais pas vous montrer. Ouais. Donc là, ce sont des sous-vêtements que j'ai pris.
des soutiens. J'aime beaucoup les soutiens de Debenam de la marque, je crois que c'est Gorgeous. Oui, la qualité est magnifique. Un peu cher, certains diront, mais je trouve que pour la qualité, ça vaut la peine. Donc là, c'est juste des sous-vêtements pour moi et pour Daniel que je veux bien sûr pas vous montrer. Là, je ne sais pas. On va regarder ce qu'on a ici. Voilà. Donc là, vous savez, à Debenam vend des habits de toutes les marques confondues. Alors j'ai trouvé cette robe là magnifique. Vraiment la couleur, c'est tout ce que j'aime, c'est du vert. Je vais ouvrir pour vous montrer. On va ouvrir doucement hein, parce que si ça ne suffit pas, il faut pouvoir rembourser. Je crois que ça va aller. Oh mon Dieu, la couleur elle est magnifique et la qualité du tissu. Oh, mais c'est trop beau. Mais c'est trop beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez là? Est-ce que cette caméra focus? Est-ce que vous voyez même? C'est trop beau. Alors cette robe, quand je l'ai vue sur le website, j'ai dit il me la faut. Regardez un peu. Regardez-moi ça. Alors c'est une robe quand vous voulez comme ça. Je vais vraiment essayer de vous montrer. Avoir comme ça, on ne peut pas vraiment comprendre. Mais la qualité du tissu. Oh! La qualité du tissu. Mais oh! Moi, je dis toujours, les habits, ne dépensons pas trop pour les habits. Mais tout ce qui est col roulé, robe d'hiver, vraiment, mettons la qualité. Alors, cette robe, je l'ai prise à Debenam. C'est de chez Karen Miller. Je ne sais pas si vous connaissez ça là-bas en France, mais vraiment, c'est une marque qui est reconnue pour faire la qualité. Elle est très, très belle. Très, 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 très belle. Franchement, ça vaut le prix. Alors, c'est cette marque-ci. Je ne sais pas si vous connaissez Karen Miller. Ça vaut vraiment le prix. C'est du vert. Vous savez que j'adore le vert. En hiver, je me vois bien porter ça avec une botte. Peut-être sans collant parce que la robe est assez longue. Voilà, je mettrai, si j'ai déjà porté, je vais mettre une photo. Si je n'ai pas encore porté, je mettrai une photo du mannequin pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est le genre de tenue qui va m'aller à merveille. Vous voyez, avec un peu mes formes là. Ouais, un peu le genre. Donc, j'imagine bien ça avec ces ceintures à la taille, avec mes bottes noires et un manteau noir au-dessus. Ooh, girl, you are slay. Imaginez ça. Vous mettez la ceinture noire comme ça avec la botte-ci que je viens de vous montrer. Oh, mais c'est la magie, c'est la magie, c'est la magie. On est sexy, on est belle, on est classe, on est tout en même temps. Très très belle robe de chez Karen Miller. Ok, ça c'est toujours de Debenam. Ça c'est un manteau aussi que j'ai pris parce que je n'avais pas de manteau noir. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas un beau long manteau noir. Et vous savez, en hiver, le manteau, la botte, c'est vraiment ce qu'on appelle statement piece. On doit avoir de la qualité, quoi. Donc, j'ai dit, il faut que pendant le Black Friday, je me trouve un beau manteau noir. Franchement, parce qu'en hiver, comme ça, le manteau, la botte, mais ça fait tout l'habillement. C'est des inconditionnels, c'est des masterpieces. Donc, vu que je n'avais pas de manteau noir, je m'étais dit que pendant le Black Friday, il faut absolument que je m'achète un manteau noir à un bon prix. Donc, j'avais mes yeux sur le manteau que j'observais depuis longtemps. Voilà, on va ouvrir et voir à quoi ça ressemble. De toute façon, j'ai déchiré les trucs comme ça là. Voilà. La qualité du tissu. Oh mon Dieu, la douceur du tissu. Ouais, le bien est bien. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent. C'est trop beau. Ce manteau est magnifique. Franchement, les boutons comme ça sont en doré. Je vais vous montrer. C'est du doré.
Voilà, c'est du doré. Dévénavement, c'est mon shop préféré pour acheter tout ce qui est vraiment de bonne qualité. Vous voyez comme ça, c'est du doré. C'est du doré. Le manteau est magnifique. Alors, elle vient de chez Dorothy Perkins. Je l'ai eu aussi à en solde à près de, je crois, 50% off. Vous imaginez un peu ça? Est-ce que vous imaginez ça là? Est-ce que vous me voyez même? Hein? Je mets un peu ça sur moi. Oh my goodness me! Guys! 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 This is absolutely amazing! Et il est bien long! Je ne peux pas bouger ma caméra maintenant pour vous montrer à quoi ça ressemble parce que ça va me faire trop de travail. J'ai l'impression que la manche est un peu longue, mais ce n'est pas grave. On peut plier, on peut faire beaucoup de choses. Mon manteau, je l'aime bien large. Parce que là, au moins, je sais que je peux mettre des pulls, je peux mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Franchement, la qualité est top notch. Dorothy Perkins, je ne sais pas s'il y en a encore. Quand il fait très froid là, vous pouvez zipper ça comme ça jusqu'au-dessus. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Les Black Friday de ouf! On a fini avec des bénins. Bon là, je ne sais pas trop ce que c'est. Ce sont des cadeaux des enfants. Je ne vais pas offrir. Je vous ai montré pour Chine. Je ne sais pas si je dois ouvrir ça. Vu qu'on a déjà commencé à ouvrir. Mais on continue nos imitation Fox slippers, slide slippers et tout ça. Voilà. Vous voyez? C'est très, 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 très joli. J'ai pris ça pour Michael. Ça sera parmi son cadeau de Noël. Magnifique. Ok. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah oui. Michael, en ce moment, elle est dans Unicorn. Everything Unicorn for Mimi. Everything Unicorn for Mimi. Donc du coup, je lui ai pris ce set là. C'était aussi en sorte, je pense bien. Si j'ai acheté, c'est que c'était en sorte pour son lit. Elle sera très très contente. On va dresser son lit pour Noël avec tout ce qui est unicorn. On a ceci. Je sais pas ce que c'est. Ça c'est pour Mimi. Unicorn bracelet set. Donc c'est un set qui vient avec une montre. Une montre et une chaîne. Voilà. Là, je sais pas ce que c'est. Ouais. Ça aussi, c'était dans la liste des cadeaux de Noël de Daniel. Elle voulait un Kindle. Alors, ma fille, elle lit beaucoup. Daniel consomme les livres comme la nourriture. À la base, elle avait un budget de 20 livres par mois. 20 livres par mois pour acheter ses livres sur Amazon. Mais tellement qu'elle en consomme que je me suis retrouvée, par exemple, le mois passé, je crois que j'ai dépensé 35 livres pour ses livres. Donc, du coup, quand elle m'a donné sa liste de cadeaux de Noël et qu'il y avait le candle à l'intérieur, j'ai dit, ah, ma fille, tu es une fille intelligente. J'ai demandé, pourquoi tu veux ça? Elle me dit, là, ça me permet de lire facilement parce qu'on a tellement de livres ici qu'on ne sait même plus où est-ce qu'on va déposer ça. Tellement elle lit que la maison est pleine de livres. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça, elle pourra lire partout avec. Le livre sera à l'intérieur et je crois que ça fonctionne en mode de subscription. Voilà. Donc, elle a pris les pingos. Regardez ceci. Ce qu'il y a dans ce gros plastique là. Après, ça, c'est les pyjamas de Noël. J'ai fait une bonne affaire à Lidl. Franchement, j'étais trop contente. Je sais pas pour vous, mais allez encore regarder s'il y en a encore dans le Lidl de chez vous. Mais j'ai pris ces pyjamas. Vous voyez? Voilà à quoi ça ressemble. C'est trop beau. Et le prix était génial. Je crois que c'était $4.99 si je ne me trompe pas. Moi-même, j'étais écœurée. J'étais choquée en fait. Quand j'ai vu, parce que depuis quand même, je suis en train de guetter les calendriers de Noël. Depuis quand même, je suis en train de regarder sur tous les sites, je cherche des pyjamas pour Noël. Mais j'ai rien vu qui me plaisait. Soit c'était trop rouge, soit c'était du pink. En fait, j'ai rien vu qui... Nothing that was catching my eyes. Quand je suis arrivée à Lidl l'autre jour pour faire mes courses de la semaine, j'ai trouvé ces pyjamas, je les ai trouvés trop trop beaux. Donc j'ai pris même sans regarder le prix en fait. Moi j'étais sûre que c'est les $9.99, $10.99. Quand je suis arrivée à la maison, je regarde mon reçu, je vois que ces pyjamas là m'ont coûté juste $4.99 la pièce. Est-ce que ce n'est pas trop beau ça?
$4.99 pour ce pyjama. Je pense pas que je me suis trompée. Hein. Franchement, le prix est magnifique. Le pyjama, il est très, 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 très beau. Voilà. Donc, j'ai pris pour Daniel, Gabriel et Michael. Voilà. En Noël, le jour de Noël, nous serons tous habillés en tenue. Toujours à Lidl. Voilà. Ensuite, j'étais à The Range et j'ai trouvé ce set de table trop, trop beau. Vous savez que j'adore le noir. J'ai pas besoin de vous dire, vous savez que moi, j'aime tout ce qui est noir. Et ce set de table, il est magnifique. Alors, c'est avec ça que je vais faire, c'est top, ma table de Noël. Voilà, donc j'ai pris 4 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont une famille de 5. J'imagine bien ça sur ma table de Noël. Vous mettez ça en bas avant de mettre votre plat. Alors, ma table de Noël, je ne l'aime pas très rouge. En fait, ma décoration de Noël, même, il y a très peu. Il y a du rouge, mais pas trop. J'aime pas quand c'est juste rouge, rouge, rouge partout. Donc voilà, c'est trop, 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 trop beau. J'ai ce paquet-là de chez Very. Ok. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je me rappelle plus trop, en fait. Moi, j'ai oublié ce que j'ai acheté. Donc, on va ouvrir pour voir. Ok. Je vais déposer d'abord tout ça au sol. C'est quoi ça, ce carton? C'est quoi ça? On peut acheter quelque chose, on oublie ce qu'on a acheté. Hey, Tatiana. Ça ressemble à un jumper. Comme je vous ai dit, ma fille, Michael, ma dernière fille, elle est vraiment en mode unicorn. Donc, dès que je vois un truc unicorn, je lui prenais ça. Donc là, c'est pour Michael. Tout ce qui est unicorn pour mon bébé. J'ai pris ça. J'ai trouvé ça trop cute. Elle va, regardez-moi ça. Et sinon, beautiful. So, so, so cute. So, so, so cute. Voilà. Avant, je peux aller avec un ciseau. Alors, c'est toujours un cadeau de Noël de Mimi. Comme je vous ai dit, elle est vraiment dans du unicorn. Moi, si les enfants regardent la vidéo, si je suis cuite. Si mes enfants regardent la vidéo, si je suis cuite, elles vont voir plus de la moitié de ce qu'elles vont recevoir pour Noël. Donc, franchement, on prie Dieu qu'elle ne regarde pas. Je suis même pas trop sûre. Peut-être je vais enlever de la vidéo tous les cadeaux de Noël. Franchement. Donc voilà. Elle va beaucoup aimer ça. Elle va beaucoup aimer ça. Donc en fait, maintenant, il nous reste 2 cartons. Ici, ce carton-ci. Vous voyez là déjà, c'est la marque Azur. Voilà. Ce laptop, je le recevais déjà depuis très, très, très longtemps. Voilà, j'attendais le Black Friday pour me l'offrir. Je l'ai acheté à 35% off. Je crois que j'ai économisé dans les 150 livres. Oui, avec la solde. Alors, j'avais besoin d'un nouveau laptop parce que, comme je vous ai dit, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On rend grâce à Dieu pour ça d'ailleurs. Donc, on avait besoin d'un laptop de plus pour les collaborateurs. Bien sûr, ça, c'est une dépense de mon business. Donc, ça, c'est business expenses. La facture va aller directement dans ma compagnie. Donc voilà, je vais ouvrir ça et je vais vous montrer à quoi ça ressemble plus tard. Ok? Chez un client,
Parce que parfois, ça m'arrive de travailler en présentiel chez les clients. Par exemple, s'ils ont installé un nouveau software de comptabilité, je dois aller dans la structure pour train, comment on dit ça en français, pour entraîner les employés à utiliser le nouveau software. Franchement, c'est pratique. Voilà. Alors, ça a beaucoup de poches à l'intérieur. Waouh! Vous pouvez porter ça en bandoulière aussi, comme ça. Je peux prendre ça en bandoulière. Franchement, ça a beaucoup de poches à l'intérieur. Alors là, franchement, je suis très très contente de mon achat. C'est exactement ce dont on a besoin pour le travail. Franchement, on avait besoin d'un grand laptop comme ça. Alors, je crois qu'il a 350 gigas d'espace. Voilà. Très très belle addition pour mon business. Donc, voilà l'achat numéro 1. Maintenant, on va détacher le deuxième gros paquet. Donc voilà, on a le laptop qui vient avec son chargeur. La mousse. Et ce petit truc-là que je ne sais toujours pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, mettez-moi ça en commentaire. C'est comme ça, je ne sais pas. C'est quoi en fait? Voilà. Avec le manuel, enfin avec son sac, voilà, très belle affaire.
acheté ce cordless vacuum cleaner de chez Shark. Alors, ça fait longtemps que j'observe ce vacuum cleaner. Depuis longtemps, en fait. Donc, lorsque c'est allé en sort, j'ai dit, ah, I need to get it. Alors, la raison principale pour laquelle j'ai acheté ça, c'est parce que c'est cordless, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de corde. Et deuxièmement, c'est très, très, très léger. Il faut savoir que moi, j'ai des problèmes de dos. Donc, chaque fois pour passer l'aspirateur, celui qu'on a en ce moment, si c'est toujours un Shark, il y a la corde et ça pèse. Donc, ce n'est que mon mari qui veut passer l'aspirateur et devoir l'attendre tout le temps, le subir de passer l'aspirateur. C'était quand même déjà un peu chiant. Donc, j'ai vu ça, j'ai vu les revues, j'ai vu les vidéos. C'était trop, trop, trop bien. Mais le prix original était trop cher. Donc, j'ai dû attendre. C'était parmi ma liste d'achats pour le Black Friday. Donc, quand Black Friday c'est allé en sort, j'ai pris un rapidement. Donc, voilà, on va ouvrir. Va falloir faire, c'est que je crois que je vais mettre ça hop. Ok, je vais mettre ça hop et puis je vais vous montrer ok. Récupérer premier jour de nettoyage. Sauf à peine 5 minutes. Hein. Il est vraiment efficace. And it's very lightweight. Very. Ton frère est amoureux de ton demi-frère. Ce sont des demi-frères, c'est pas le même sang. Lui, t'as rien à voir dedans. C'est les deux qui sont à part. Moi, je suis désolée, je suis d'accord. S'il s'est marié, vous. Didier, arrête. Ah. Didier est choqué. Et
Voilà, nous voici donc arrivés à la fin de ce unboxing. J'espère que vous avez aimé, j'espère que je vous ai inspiré. Alors, comme d'habitude, on n'oublie pas de me donner un thumbs up parce que ça permet vraiment à YouTube de recommander la vidéo à d'autres personnes. Ça permet de grandir la communauté. Il faut savoir que filmer ces vidéos, éditer ces vidéos, ça me prend beaucoup de temps. C'est vrai que je le fais parce que j'aime beaucoup. Voilà, mais bon, c'est toujours bien d'avoir des thumbs up. Là, ça prouve vraiment que les gens ont interagi, ça prouve que les gens ont aimé. Alors, quel est votre achat préféré dans tout ce que je vous ai montré? Mettez-moi ça en commentaire. Alors, je vous dis merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne jusqu'à présent. Merci à ceux qui m'ont laissé des commentaires. I really, really, really appreciate it. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Bye. Mon dos noir, il est trop beau. Si vous ne connaissez pas la marque... Qu'est-ce que c'est passé là? Vous avez tombé le matin?